Jumat aura un demi-siècle en 2015. L'année prochaine, on va donc fêter les 50 ans du développement chez nous d'un concept totalement novateur pour l'époque, la maison à ossature bois. Et l'idée vient d'un monsieur qui s'appelle Antoine Matthijs, qui était le fils de Jules Matthijs en fait, qui est parti de Deerlijk un beau jour découvrir un processus de construction aux États-Unis et qui l'a réimporté en Belgique. Et il a fondé, en hommage à son père, Jules Matthijs, l'entreprise Jumat, qui est la contraction du nom et du prénom du papa, quoi. Jumat est une entreprise, mais c'est aussi une marque forte dans la construction à ossature bois modulaire, une société dont l'une des grandes forces est de pouvoir réaliser ses constructions en un temps réduit. Comme vous le voyez derrière moi, une maison à ossature bois ne présente pas spécialement du bois à l'extérieur, mais ce sont les structures porteuses qui sont réalisées en bois. Et la structure elle-même est isolée, donc le cadre, si vous voulez, est rempli d'isolants de façon à avoir une structure qui porte le bâtiment et qui isole en même temps. Pour aller un pas plus loin dans son développement, de simple producteur de structures agissant pour le compte d'ensembliers, Jumat devient en 2000 une entreprise générale de construction au sens le plus complet du terme. Dans le succès de l'entreprise dont le siège et les ateliers sont localisés à Andenne, une formule de financement tout à fait unique dans le secteur de la construction. Jumat finance l'ensemble du projet, l'ensemble de la construction, jusqu'à la remise des clés. Alors qu'un client, normal sur le marché, va toujours payer des acomptes, ensuite des tranches de paiement, et bien avec Jumat, il n'y a pas de paiement avant la remise des clés. C'est un gros avantage financier et c'est une grande tranquillité pour l'acheteur effectivement. Bien aujourd'hui, le siège social se trouve donc à Andenne, siège de production et siège de coordination également, puisque tous les employés et l'ensemble des ouvriers se trouvent localisés ici. Aujourd'hui, on occupe 97 équivalents temps plein, au niveau employés et production, et on fait une centaine de maisons par an, pour un chiffre d'affaires de 15 millions, un bon 15 millions d'euros chaque année. À ce jour, ce ne sont pas moins de 18 000 maisons Jumat qui ont été construites dans tout le pays.